putain. Il est trop beau. Et enfin, je trouve. Bon, même si on est vendredi, j'étais censé faire au taquin, mais bon. Vu que j'ai dépassé les 10 000 sur cette recherche, ben, je vais focus. C'est tout simple. Bon, je vais d'abord réarranger vite fait pour qu'on voit mieux. Du coup, je stoppe et nous y revoilà. Bon, du coup, je ne sais pas s'il a tête de roc, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a soit de bélier, soit de Damoclès, ce qui n'arrange pas vraiment mon cas. Alors, je vais mettre que l'Orior pour commencer. Elle est vraiment trop beau. Alors on l'endort. Et puis on essaye la Scuba Ball ici. Et quelque chose me dit qu'il va pas se laisser se faire. Deux, trois, et il rentre. Cool. J'ai pas du tout de surnom pour lui. Mais en tout cas, il est trop beau. Et je peux enfin quitter les ruines enfouies. Alors, voyons voir. Il est doux. Et il avait effectivement tête de roc. Mais il n'avait pas bélier ni de machin, il avait des attaques acier. Oups. Allez, je vais le réveiller. Et on va un peu le montrer. Devant un Golgon normal. Il est vraiment magnifique. Il va probablement évoluer. Même si doux, c'est pas terrible, mais bon. Bon, du coup, je vais le montrer une dernière fois, en espérant que peut-être le prochain, ce sera sûrement soit Moustillon, soit Otaquin. Otaquin serait le mieux parce qu'il est vraiment long, contrairement à Moustillon. Allez, une dernière fois. C'est vraiment trop beau.